C'est parti pour une petite pêche au lac Saint-Louis avec le Ned Rig. Fait vraiment chaud, c'est vraiment incroyable comme journée. Gros soleil, pas de vent. J'ai la chance de voir dans l'eau, dans 5-6 pieds, très très clair, une bonne visibilité. Puis je vais lancer mon Ned Rig un peu au loin comme ça. Puis tranquillement, on le travaille sur le fond sablonneux. Puis on attend qu'un poisson vienne mordre. C'est vraiment une belle journée, là. Surtout pour la chigan, on a des conditions parfaites. Et là, il reste juste à prendre un poisson. Entre les roseaux ici, là, c'est tellement un beau spot pour un gros achigan, là. Comme ça, ouais. Oh yeah! Oh yeah! Ça, je pensais. Je me disais qu'elle allait avoir un gros achigan. Oh wow! Regardez ça! Oh, oh, c'est un achigan à grande bouche? Non, petite bouche. J'ai comme hésité. Regardez ça. Oh yeah! On va le rentrer vite, vite. OK. Allez, je te mets ça, papa. Un, deux... Ah! Nice! Il est beau, hein? Ouais. Nice. Regardez le beau poisson. Ça commence bien la journée, il fait très chaud. Là, je suis habillé en ninja, mais j'ai pas le choix, sinon je vais avoir plein de coups de soleil, donc on le remet dans l'eau. On est de retour au studio pour parler du leurre que j'ai dans la main présentement, le Ned Rig. Et le Ned Rig, ça fait quand même une couple d'années que je connais ça et je l'utilise probablement depuis le début de ma chaîne YouTube 2016-2017. Et c'est vraiment un leurre, une stratégie de pêche qui fonctionne vraiment bien pour la chigan à petite bouche, la chigan à grande bouche, le doré. Beaucoup de gens l'utilisent pour le doré et moi-même, en pourvoirie dans le fleuve Saint-Laurent, super efficace. On capture des brochets de temps en temps, du crapet de roche, de la perche chaude. Bref, c'est vraiment quelque chose à découvrir, le Ned. Et on va en parler dès maintenant. On va commencer par le leurre en tant que tel. Ça ressemble à un petit Senko, un petit verre en caoutchouc. Je pense que l'idée de ça, ça vient un peu du verre en caoutchouc qu'on a vraiment pris et on l'a vraiment réduit, si on veut. Et l'idée du Ned Rig, c'est prendre une petite tête, prendre une tête plombée et on vient l'insérer au bout de la tête, comme ça ici. Donc ça fait vraiment un tout petit profil de leurre dans l'eau. On vient le travailler soit sur les fonds rocailleux, les fonds sablonneux, proches des lignes d'herbier. On peut même pêcher à la dérive dans le courant avec ça. Il y a vraiment plein de façons de travailler le Ned. Et vous l'avez vu dans les images avant qu'on parle de ça. Moi, je pêchais sur un fond sablonneux avec un petit peu de végétation par-ci par-là. Et puis, ce spot-là, ben, les poissons se cachent un peu dans la végétation et se promènent sur le flat de sable. Donc moi, je prends mon leurre, je le lance le plus loin possible et je le fais rebondir tranquillement sur le fond. Et c'est comme ça qu'on prend du poisson. Et l'objectif avec le Ned Rig, c'est reproduire soit une écrevisse dans l'eau, un petit poisson, un insecte, un gobie qui est très populaire sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, il y a plein de coloris, que ce soit dans le brun comme ça, le vert, le green pumpkin. On a aussi dans les teintes de blanc, black and blue, puis j'en passe, il y a tellement de couleurs de leurre souple pour le Ned Rig. Et on va en parler bientôt. Je ne veux pas rentrer dans les détails des surprises, mais le Ned Rig, on va en parler bientôt aussi. Il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet, bien évidemment. Mais quelque chose qui est important, c'est l'équipement. La canne, le moulinet, le fil, comme n'importe quelle leurre ou style de pêche technique, il faut avoir le bon gear. Et pour la canne, moi, j'utilise une canne 6 pieds 10 medium light. C'est ma canne à drop shot parce que c'est tellement... un petit leurre dans l'eau, on veut vraiment bien sentir le fond, les touches, donc une canne assez légère et sensible, c'est vraiment intéressant. Un moulinet de taille 2000 lancé léger avec du fil tressé, 10 livres de résistance suivi d'un bon ligne en fluorocarbone, 8 à 10 livres de résistance aussi pour une belle invisibilité. Là, je sais que j'ai comme
dit beaucoup d'informations rapidement, mais vous prenez le temps de réécouter au pire la petite partie informative. Vous allez voir que le Ned Rig, c'est vraiment important de pêcher ça tranquillement dans l'eau, pas avec une canne trop rigide. Et puis, c'est vraiment une question de finesse. Quand je dis finesse, là, c'est un terme là, dans le langage des pêcheurs pour dire là, une stratégie de pêche tranquillement dans l'eau. On prend notre temps, pas besoin d'aller très très vite. Et le but, c'est vraiment reproduire quelque chose de naturel pour les poissons, dont une écrevisse, un petit gobi, un insecte. Ça peut être même une grenouille qui tombe dans l'eau. T'sais, l'idée, c'est vraiment, on veut matcher qu'est-ce que les poissons mangent dans notre cours d'eau avec le Ned Rig. Et on peut prendre même de la truite avec ça. Je connais des gens qui pêchent la truite avec le Ned. Et à l'instant, je vais vous montrer comment on fait le petit montage. Vous allez voir, c'est vraiment pas trop compliqué. Et puis, on va continuer à utiliser ce leurre-là et cette technique. Et je vous le recommande vraiment. Donc, c'est parti pour le montage. Pour le montage Ned Rig, on va avoir besoin d'une tête plombée. Chez VMC, il y a plusieurs couleurs de poids différents. 3/16e. J'ai ici 1/16e. Il y a des couleurs différentes aussi. 1/4 si on pêche un petit peu plus profond. On va avoir besoin de notre leurre pour le Ned. Et je vous montre dès maintenant comment on l'insère dans le plastique souple. Sur votre leurre pour le Ned Rig, vous allez remarquer qu'il y a un côté plat et un côté pointu bien souvent. Le côté pointu, j'aime ça quand il se promène vers le haut et je prends mon hameçon pour le côté plat. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon hameçon, je viens le rentrer tout doucement dans le corps du leurre. Je m'assure que l'hameçon va sortir au milieu du leurre, comme ça ici, pour avoir une belle action dans l'eau et un beau profil. Et tranquillement, je viens pousser et on a ici notre leurre pour le Ned Rig. Pêcher les fonds rocheux, le sable, proche des lignes d'herbe, lâcher en petite bouche, le doré, lâcher en grande bouche, c'est le leurre à utiliser pour le Ned. Et voilà tout le monde, c'est ici que la vidéo et les explications sur le Ned se terminent. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez des questions dans les commentaires de la vidéo, ça me fait plaisir de vous répondre. Et c'est sûr, je continue à produire des vidéos dans les prochains jours. La pêche va bien, j'ai pogné beaucoup de poissons, mais je travaille sur des projets par-ci par-là, donc je vous réserve plein de surprises, ça va être très le fun. Et là-dessus, je vous conseille d'essayer le Ned dans les prochains jours et prochaines semaines. On se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs. Bass. À la prochaine tout le monde.